et j'étais déjà membre du conseil municipal l'an dernier. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le nouveau conseil municipal des enfants 2021-2022. Voici Thomas, Lola et Lise qui souhaitent réfléchir au réaménagement de la cour de l'école. Je m'appelle Thomas et je souhaite participer au groupe de travail avec les adultes pour améliorer et demander l'installation de zones sportives. Bonjour, je m'appelle Lola. Je souhaite demander la création d'un nouveau préau à la place du bungalow, avec un espace détente, un manche debout, une boîte à livres et un banc relaxant. Bonjour, je m'appelle Lé. Je demanderai l'installation d'un mur créatif pour décorer la cour et nous permettre d'exprimer nos émotions. Et maintenant, Anaël, Eva et Roxane qui souhaitent des animations intergénérationnelles. Bonjour, je m'appelle Anaël. Je voudrais organiser des goûters et des jeux pour rassembler toutes les générations de Bernariennes. Je m'appelle Eva. Je voudrais inciter les enfants à participer à des animations communales pour partager des moments agréables. Bon, je m'appelle Roxane. Je voudrais mettre en place des rencontres avec les plus jeunes du multi-accueil et les plus âgés de la maison de retraite pour des temps d'échange enrichissants. Autour de Junon et Antoine qui veulent nous inciter à faire de la Bernerie une commune plus agréable et plus conviviale. Je m'appelle Junon, je souhaite installer des maisons à insectes pour maintenir la biodiversité. Je m'appelle Antoine et je voudrais mettre en place des activités pour les plus démunis. Chères Bernériennes, chers Bernériens, chers amis, en l'absence de Laurence Breton, notre première adjointe, c'est à moi, Alain Guillon, que revient l'honneur et le plaisir de vous présenter, comme le veut la tradition, notre bilan de cette année 2021 qui vient de s'achever. Malheureusement, cette fois encore, du fait d'un contexte sanitaire qui ne nous laisse que très peu de répit depuis bientôt 2 ans, nous avons été contraints d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, moment de partage et de convivialité, ce que nous regrettons tous. Avant de présenter la partie concrète des actions réalisées dans le cadre de nos domaines respectifs et qui répondent pour la plupart d'entre elles aux objectifs fixés dans notre programme électoral, je souhaite m'arrêter rapidement sur divers événements qui ont marqué cette année 2021. Cela est souvent répété à juste titre, la vie du conseil municipal est loin d'être un long fleuve tranquille. À chaque élection municipale, le nouveau conseil a besoin d'un temps d'adaptation, d'apprentissage et de mise en route. Cela n'est pas toujours évident et facile en temps normal. Je vous laisse imaginer les difficultés rencontrées quand le contexte sanitaire, inédit et très contraignant, vient gravement perturber les premiers mois du mandat. Heureusement, grâce à la mobilisation des élus et de l'ensemble des services administratifs et techniques, nous avons pu lancer, dans des délais encore raisonnables, les premiers grands projets sur lesquels nous nous étions engagés. D'autres événements dramatiques et inattendus sont venus fortement perturber notre quotidien. Je veux parler des disparitions de Guy Bruand, emporté par la Covid en quelques semaines en début d'année, et de celles de Jean-Louis Vérisson, qui nous ont beaucoup affectés. Jacques Prieur y reviendra dans son allocution. Après cette introduction, peut-être un peu longue, je passe maintenant aux choses concrètes, c'est-à-dire aux diverses réalisations effectuées durant cette année passée. Tout d'abord, parlons gros sous. C'est Laurence Breton qui est en charge des finances et économies. Les services financiers de la commune n'ont pas été épargnés, ni par la situation sanitaire, ni par le décès de notre comptable Guy Bruand. Heureusement, l'aide d'Emelie Roux, assistante de Guy pour la continuité du service, et l'embauche rapide de Delphine Ekman, d'une grande compétence, ont permis que le contrôle des comptes communaux par les services de l'État se soit très bien passé, et que cette situation difficile n'ait pas impacté nos finances de manière significative. Sans augmenter, encore une fois, la part communale des impôts locaux, nous avons pu continuer à investir pour nos grands projets. Le recours à un emprunt de 1 million d'euros n'a pas impacté de manière significative la bonne santé financière de la commune. La capacité de désendettement passant de 2,3 à 3 années, restant toujours en deçà du seuil que nous nous sommes fixés. Ensuite,
En charge de l'urbanisme, c'est moi-même, Alain Guillon, qui assure cette responsabilité. La commune a lancé fin 2021 une modification de notre PLU, plan local d'urbanisme. Celle-ci doit permettre quelques modifications de nos zonages afin de faciliter, entre autres, le déplacement de la maison de retraite, l'EHPAD. Il nous faut aussi adapter pas mal de points de notre règlement afin de l'actualiser et de permettre aux diverses tendances nouvelles en termes de matériaux, d'économie d'énergie ou d'espace de pouvoir être prises en compte positivement dans l'avenir. Pour votre information, 110 permis de construire ont été instruits, dont 42 pour résidence principale. 77 logements ont été créés. Le nombre total des actes d'urbanisme gérés par notre service a été de 877 en 2021. Autre domaine dont je suis en charge, les bâtiments communaux. Plusieurs gros chantiers ont été lancés. Tout d'abord, le restaurant scolaire. L'extension de celui-ci et la création d'un équipement permettant de faire la cuisine sur place étaient des demandes justifiées qu'il devenait urgent de réaliser. Les travaux, malheureusement retardés du fait de réponses insatisfaisantes lors des premiers appels d'offres auprès des entreprises, vont pouvoir commencer dès le début de cette année. Si tout se passe bien, le chantier devrait être terminé pour la fin du premier trimestre 2023. Ensuite, quelques mots sur la maison Magret. Comme vous avez pu le voir, les travaux ont commencé. Malheureusement, là encore, le planning de ceci a été perturbé. Mauvaise surprise lorsque les entreprises sont intervenues. Elles ont constaté, en retirant plafonds et cloisons existantes, qu'il y avait de très grosses malfaçons très anciennes auxquelles il fallait remédier. Cela signifie, d'une part, que la fin des travaux prévus en juin prochain sera décalée dans le temps, et d'autre part que l'enveloppe financière prévue sera augmentée d'un montant non négligeable. Maintenant parlons de l'église. Là aussi, les choses avancent de manière spectaculaire puisque les échafaudages ont été mis en place. Cette rénovation, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, du fait de leur coût, va s'étaler sur plusieurs années. Pour des raisons d'urgence et de sécurité, la première tranche concerne le clocher, ensuite viendra, dans un deuxième temps, toute la partie extérieure, puis l'intérieur sans doute en fin de mandat. Le pôle sportif, le terrain de foot ne permet pas dans son état actuel, et ce n'est pas d'hier, de pratiquer l'activité sportive dans des conditions décentes. Son déplacement au sein du pôle sportif des Grands Prés a donc été acté. Il est prévu la création d'un terrain en gazon synthétique et de vestiaires avec panneaux photovoltaïques. D'autres équipements destinés aux sportifs et à la jeunesse y sont également programmés. Là encore, des aléas indépendants de notre volonté se sont greffés sur le calendrier de cette opération. Des sondages archéologiques nous sont imposés, ce qui va décaler le planning de plusieurs mois, en espérant que ces sondages ne vont pas dévoiler la présence de quelques objets gaulois, romains ou autres. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas perdu de temps. De grosses réalisations sont en cours, certaines dans la continuité de la mandature précédente que je remercie au passage. Je passe maintenant à Héloïse Boutin, qui est en charge du développement durable et de l'environnement. La démarche participative a fait l'objet de deux réunions publiques dont l'objectif est de mettre en place des outils de participation courant 2022. Plusieurs enquêtes publiques ont été effectuées sur différentes thématiques. Lancement d'un défi « Famille zéro déchet » en octobre dernier, qui se termine en février prochain. Dans le cadre de la mise en place de l'agenda 2030, plan d'action de développement durable, un chargé de mission a été recruté. Dominique Dupont s'occupe de la communication et des associations. Un atelier informatique a été organisé et accueille une demi-journée par semaine les personnes ayant besoin d'informations ou de formation concernant l'outil informatique. Un nouveau panneau luminaire a été installé devant la mairie. L'application Intramuros a été mise à la disposition du public. La présence des élus certains vendredis matin sur le marché a été organisée pour présenter divers projets municipaux, programmation urbaine, plan de circulation, gestion des déchets. Sylvie Imbert, qui est en charge de l'éducation et enfance-jeunesse, plusieurs réunions extra-communales regroupant élus, personnels et parents d'élèves ont travaillé sur le projet d'agrandissement et de rénovation du restaurant scolaire. La volonté de préparer et de réaliser les repas sur place a été validée. La gestion de la Covid-19 au sein de l'établissement scolaire a donné lieu à une vigilance et une attention toute particulière. Le contrat local de santé, géré par Pornic Agglo, se développe sur 4 axes stratégiques: promotion de la santé environnementale, développement d'actions de prévention, renforcement de l'accès à l'offre de soins et accompagnement des parcours de santé des personnes fragiles. Je passe maintenant à Jean-Yves Laigle, en charge des sports et animations. Beau succès pour la fête du vélo et pour la fête du sport.
Le triathlon sur 6 jours, là aussi, a été un très beau succès et l'opération sera renouvelée cette année. Remerciements chaleureux à la commission animation qui a tout mis en œuvre pour maintenir les festivités estivales ainsi que le marché de Noël, ainsi qu'aux nombreuses associations qui animent la commune tout au long de l'année, malgré le contexte difficile. Catherine Leroy, Affaires sociales CCAS. Comme chaque année, l'accompagnement des personnes en difficulté a été une priorité. Les contacts téléphoniques pour aider nos anciens dans le parcours vaccinal a mobilisé beaucoup de temps et d'énergie. L'annulation du repas des anciens a généré une grosse commande de colis de Noël, près de 400, entraînant quelques dysfonctionnements et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Le projet d'un logement social dans l'ancien local des infirmiers a été acté. Gilles Laurent, lui, est en charge de la voirie et des réseaux. La fin des travaux de la rue Burlot avec la piste cyclable en site propre a été réalisée. Réaménagement du quartier Lucas, Armor, Loisirs. Et enfouissement des réseaux et éclairage public, rue des Moutiers, impasse des Nourettes, rue de Balmoral, rue des Chênes et des Érables. Patricia Carrara, en charge du littoral et des espaces verts. Celle-ci a remplacé Hervé Luzetti qui a quitté son poste suite à son déménagement. Le dragage du plan d'eau avec remplacement des vannes de remplissage et de désensablement de l'aire de mouillage a été effectué. Obtention cette année encore du pavillon bleu pour le plan d'eau. Obtention du label commune touristique classée. Et participation au World Cleanup Day, c'est-à-dire à la journée de nettoyage des plages qui a mobilisé 264 personnes. J'ai sans doute été un peu long dans cette présentation et je vous demande de m'en excuser. Celle-ci représentant pratiquement plus d'un an et demi d'activité et n'étant pas exhaustive, bien sûr, il était difficile de trop réduire. Je vais donc m'arrêter là, mais auparavant, je vous adresse, chères Bernoriennes et chers Bernoriens, comme le veut la tradition, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui sera sans doute, comme la précédente, pleine d'aléas divers et variés, de questionnements et peut-être d'inquiétudes. Néanmoins, je vous souhaite à toutes et à tous, en ayant une pensée particulière pour ceux qui sont dans la difficulté ou la précarité, une très très bonne année 2022. Que cette nouvelle année vous apporte ce que vous en espérez, même un peu plus si c'est possible. Chères Bernoriennes, chers Bernoriens, chers amis, chers visiteurs, pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux se déroule par écran interposé. Quelle déception de ne pas voir vos visages, vos sourires, vos réactions. Néanmoins, la prudence s'impose encore et encore. Nous devons continuer à nous protéger et à protéger les autres en limitant les regroupements et en appliquant strictement les gestes barrières pour éviter d'avoir à connaître de nouveaux confinements et à faire peser une pression insupportable sur les services hospitaliers. L'année 2022 va nous permettre de poursuivre des projets déjà engagés ou de démarrer des projets très attendus des Bernoriennes et des Bernoriens. La rénovation de la Maison Magret a débuté en octobre dernier. Il s'agit d'adapter cet équipement municipal aux besoins actuels et aux nouvelles exigences thermiques, tout en conservant les références architecturales de ce bâtiment chargé d'histoire. Une salle modulaire permettra d'accueillir tantôt des expositions, tantôt des conférences, tantôt des réunions, et la création d'un espace de convivialité permettra de prolonger le partage d'émotions culturelles par des échanges autour d'un verre. L'achèvement des travaux, initialement prévus avant la saison estivale, sera reporté à l'automne. Les restaurations de bâtiments anciens révèlent parfois, malheureusement, des surprises, en l'occurrence des malfaçons de la clôture, qui renchérissent les coûts des travaux et rallongent les délais de réalisation. La restauration de l'église a également débuté en fin d'année précédente, dans sa première tranche qui concerne le clocher, la façade occidentale et les façades latérales. La deuxième phase de travaux sera consacrée aux autres façades extérieures et permettra de réaliser un drainage périphérique. Elle sera programmée après la saison estivale 2022, de manière à ce qu'à la fin 2023, la totalité de l'édifice soit mise en sécurité et protégée des infiltrations et des dégradations de pierre. Une dernière tranche de travaux concernera les intérieurs. Elle sera différée à la fois pour laisser le temps
indispensable à l'élimination de l'humidité des murs et également pour étaler dans la durée des dépenses importantes. Tout comme la maison Magret, l'église appartient au patrimoine communal. Elle abrite en son sein un orgue bientôt bicentenaire et elle accueille régulièrement, outre les édifices cultuels, des événements culturels autour de l'orgue ou de la musique classique. La commune a donc la responsabilité de son entretien et de sa mise en sécurité. Un diagnostic réalisé en 2016 ayant montré des infiltrations inquiétantes et des dégradations de pierre liées à un problème global d'humidité. L'agrandissement du restaurant scolaire est nécessaire à la fois pour faire face à l'augmentation des effectifs scolarisés depuis 2022, l'année de sa construction, et pour permettre des préparations sur place avec des produits locaux et des circuits courts d'approvisionnement. Outre la rénovation et l'extension des salles à manger dans la partie existante, pour une capacité de 220 couverts avec deux services à table, une nouvelle cuisine va être construite. Une coursive close et couverte, accessible aux personnes à mobilité réduite, entre l'école et le restaurant, va également être réalisée. Après une première consultation partiellement infructueuse, un deuxième appel d'offres a permis de retenir la totalité des entreprises qui vont œuvrer à cette rénovation. Les travaux vont débuter dans les jours qui viennent et s'étaler jusqu'en mars 2023. Le projet de transfert du terrain de football sur le site du pôle sportif des Grands Prés est également finalisé. Sa mise en œuvre est en revanche retardée en raison d'un diagnostic archéologique imposé par les services de l'État et qui reporte le démarrage des travaux au mieux à l'automne 2022. Le projet prévoit la création d'un terrain de football synthétique avec une zone d'échauffement, la construction d'un bâtiment comprenant 5 vestiaires, 4 pour les équipes, un pour les arbitres, couvert de panneaux photovoltaïques, une salle de convivialité, des locaux de rangement, un sanitaire extérieur, la création de 2 terrains de pétanque. Le pôle sportif va également être embelli et développé avec la mise en valeur des haies bocagères existantes, des plantations d'arbres et des arbustives, des engazonnements, l'aménagement de liaisons douces pour les piétons et les vélos, et la création d'environ 50 nouvelles places de parking annuelles et estivales. Des réserves foncières sont également conservées pour les projets ultérieurs de salles de gymnastique, de city stade ou encore de skate park. Le plan d'action communale pour les mobilités actives, dit PACMA, finalisé en novembre dernier, définit des priorités d'action qui guideront nos investissements pendant le mandat. Aménagement de la route des Moutiers, de la route de Pornic, de la descente de la gare, de la rue René-Guy-Cadou. La généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l'ensemble de l'agglomération sera effective au printemps, afin de permettre un meilleur partage des usages, notamment entre les voitures et les vélos. Avant la saison estivale, la rue Alsace-Lorraine bénéficiera d'une réfection partielle et provisoire, avec 2 bandes latérales de roulement permettant une circulation plus agréable en vélo. Cette reprise partielle de la voirie sera prolongée sur la route des Moutiers jusqu'à la limite communale par une réfection totale de la chaussée, prise en charge par le conseil départemental, intégrant un aménagement cyclable. Le platelage sur la grande plage devra être remplacé. Sa dégradation rapide nous a fait craindre lors de la saison précédente des accidents et des blessures d'enfants sur les vis qui ne peuvent plus être fixées dans les lambourdes et qui dépassent des lames. Un rapport d'expertise remis en mars 2020 a conclu à une triple responsabilité concernant les désordres liés au pourrissement des lambourdes. Un défaut de conception imputable à la maîtrise d'œuvre, un défaut de traitement du bois, un défaut de réalisation par la société en charge de la pose. Un récent constat d'huissier a mis en évidence l'extension des dégradations, ce qui devrait autoriser une nouvelle expertise judiciaire au moment du démontage du platelage, avant une requête auprès du tribunal administratif de Nantes pour obtenir une indemnisation la plus complète possible du préjudice. Les études concernant le procédé constructif à mettre en œuvre et la nature du bois
à utiliser sont en cours. Une sécurisation des parties dégradées du platelage sera mise en place pendant la saison estivale. Le remplacement proprement dit débutera à l'automne et devrait être achevé pour le printemps 2023. Ce platelage fait partie des équipements et des atouts de la commune qui nous ont permis d'être station classée de tourisme. Cette distinction, dont nous sommes très fiers, a été obtenue en 2021, après plus de 10 ans d'efforts opiniâtres pour remplir les critères et instruire le dossier. Je remercie à ce sujet tout particulièrement mon prédécesseur, Thierry Dupouet, qui a beaucoup œuvré pour l'obtention de ce classement, qui lui tenait particulièrement à cœur. Le projet de création d'espaces santé suit son cours et devrait permettre, dans les années qui viennent, de regrouper sur un même site des médecins, infirmiers, pharmaciens et plus généralement professionnels de santé. Implanté sur l'actuel parking Wilson, à l'emplacement du parking des camping-cars, il sera accompagné d'une revégétalisation du site et d'un réaménagement de la rue Jeanne d'Arc pour un meilleur partage de l'espace public entre les automobilistes, les vélos et les piétons. Le projet de transfert de l'EHPAD sur le secteur Jaginière Nord se précise. Il permettra au personnel de disposer de locaux adaptés aux normes actuelles et aux besoins de résidents en perte d'autonomie physique ou cognitive. Il sera accompagné de la construction d'une résidence autonomie pour mettre à disposition des aînés encore autonomes, mais qui ont néanmoins besoin de services à la personne, d'être dans un environnement sécurisé et apaisé. Parallèlement, un parking déporté proche du futur parking des camping-cars permettra de désenclaver le stationnement estival. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, doit faire face à des besoins sociaux nouveaux, liés à l'évolution de la population bernorienne et au contexte pandémique actuel. La tarification sociale des repas à domicile pour les personnes âgées et la réhabilitation du centre de soins en logement temporaire avec accompagnement social par l'association Trajet sont des premières réponses aux difficultés rencontrées par certains de nos administrés. Pour avoir une vision plus complète des besoins sociaux dans la commune et des actions à mettre en place, le CCAS a confié une mission d'analyse des besoins sociaux, ABS, au bureau d'études ITA. Après une phase de diagnostic, une restitution de préconisations nous permettra d'orienter la politique sociale communale vers les besoins prioritaires sur notre territoire. Le recensement général de la population communale aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Ce recensement, qui se déroule tous les 5 ans, sous l'égide de l'INSEE, nous apporte une photographie actualisée et précise de la population. Je remercie par anticipation l'élu coordonnateur, Jean-Yves Laigle, les deux agents communaux en charge du dossier, Marie-Michel Gaborio et Aurélie Robard, ainsi que les 5 agents recenseurs qui vont sillonner la commune en janvier et février pour mener à bien cette mission essentielle de recensement. L'année 2021 a été endeuillée par de nombreux décès. Je pense en particulier à un agent communal, Guy Bruand, qui nous a quittés trop brutalement, alors qu'il était encore pleinement investi dans ses fonctions et ses missions. Je n'oublie pas non plus Roland Babin, le photographe de tous les événements festifs bernoriens, René Doucet, premier adjoint sous le mandat de Laurent Chiffolo. Je suis particulièrement ému à l'évocation du souvenir de Jean-Louis Vérisson, qui nous a quittés le 23 octobre dernier. Conseiller municipal depuis 2014, il avait tant donné à la commune et il avait encore tellement à apporter. J'assure également de tout mon soutien les personnes qui font face à la maladie et au handicap, qu'ils sachent qu'ils auront toujours une oreille attentive de la part des élus et des personnels communaux. Avant de clore mon intervention, je voudrais évoquer 3 sujets qui guideront notre action tout au long du mandat. Le logement, les mobilités, le dérèglement climatique. La commune n'arrive pas à loger sur son territoire ses jeunes actifs, ses saisonniers, les personnels soignants de l'EHPAD, les personnels qui font du service à la personne. Si nous n'agissons pas, l'immobilier bernorien sera de plus en plus réservé à des retraités ayant un large pouvoir d'achat
avec des conséquences sur le pôle scolaire et sur les services à la petite enfance et à l'enfance. Les futurs programmes immobiliers doivent être ambitieux en termes de logements adaptés au plus grand nombre, en location sociale ou en accès à la propriété par le principe du bail réel solidaire qui permet de dissocier le bâtiment du foncier. Il s'agira bien évidemment de trouver un équilibre entre urbanisation et végétalisation, tout en respectant le cadre des sites patrimoniaux remarquables SPR et plus généralement la qualité architecturale et patrimoniale qui constitue un marqueur fort de la commune. Concernant les mobilités, la commune est à l'intersection de deux routes départementales qui ont été tracées exclusivement pour la voiture. La saturation des chaussées et des parkings, l'été, mais également les week-ends ensoleillés de grande marée, doit nous amener à mieux partager l'espace public entre la voiture, le vélo et le piéton. Les aides de la communauté d'agglomération pour l'acquisition ou la location d'un VAE, vélo assistance électrique, l'installation dans la commune d'un loueur réparateur de vélo, la multiplication des supports et abris vélo, dont l'abri sécurisé Place Bellevue, mis à disposition par Pornic Agglo Pays de Ré, doivent nous inviter à utiliser toujours plus le vélo à la place de la voiture. Le projet de parking de covoiturage près de la caserne des pompiers, pour officialiser et développer une pratique qui limite l'autosolisme et donc le trafic routier, est toujours à l'ordre du jour, avec néanmoins un échéancier qui doit articuler l'ensemble des priorités. Comme toutes les communes littorales, nous sommes particulièrement dépendants des conséquences du dérèglement climatique. Les forts épisodes pluvieux générant des inondations, les tempêtes, les canicules, l'érosion et la submersion marine seront, selon les scientifiques du GIEC, de plus en plus fréquents dans les années futures. L'adaptation au changement climatique est nécessaire, avec notamment pour réduire les risques d'inondation, la réhabilitation des réseaux d'eau pluviale. La communauté d'agglomération qui exerce la compétence eau pluviale est très mobilisée sur ces enjeux. Un recalibrage des réseaux va être réalisé dans un premier temps dans le secteur du Port-Royal et des Caries, et dans un second temps dans le secteur Jeanne d'Arc. Néanmoins, cette approche curative ne doit pas faire oublier qu'il nous faut être collectivement plus volontaristes dans l'infiltration des eaux sur les parcelles, dans la limitation de l'imperméabilisation des sols, entraînant des écoulements d'eau pluviale toujours plus importants. La nécessaire adaptation au dérèglement climatique doit s'accompagner de démarches contribuant à atténuer le réchauffement climatique. Ne sombrons pas néanmoins dans la sinistrose, ces nouvelles menaces doivent nous amener à être inventifs dans nos solutions d'aménagement, tout comme nos entreprises font preuve d'innovation pour affronter ces nouveaux défis climatiques. Je ne veux pas terminer ce discours sans remercier très sincèrement les services administratifs, les services techniques, la police municipale, les personnels affectés à l'école, les personnels d'entretien. Ils œuvrent sans relâche pour accomplir au mieux les missions qui leur sont confiées, attachés à la qualité du service public rendu à la population. Je sais que les élus peuvent compter sur leurs compétences et leur dévouement pour servir l'intérêt général et participer au bien-être des Berneriennes et des Berneriens. J'adresse mes vœux aux acteurs économiques de notre commune, les commerçants, les ostréiculteurs, les artisans, les professionnels de santé. Ils sont des maillons essentiels de l'attractivité de notre territoire et ils doivent savoir que je serai toujours à leur côté pour leur permettre d'exercer sereinement leur activité. J'adresse également mes vœux aux associations qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale et le vivre ensemble, à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre notre vie plus belle et plus douce. Je souhaite plus particulièrement une belle et heureuse année, pleine et entière, à nos 8 centenaires bernoriens, Marguerite, Jeanne, Louis, Gabriel, André, Pierre, Maria et Solange,
à qui j'adresse tous mes voeux de santé et de bonheur. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, que je remercie tout particulièrement pour son engagement au service de notre bien commun et de l'intérêt général, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une belle année 2022. Nous vous souhaitons beaucoup de belles aventures, beaucoup de tendresse, beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de rencontres, beaucoup d'amis autour de vous, beaucoup de bons moments, beaucoup de bonheur, beaucoup de beaux projets. Bonne année 2022 à tous.